se retrouve pour un nouvel épisode sur World of Final Fantasy. Et on va immédiatement commencer par une autre mémoire, hein, qui visiblement nous place toujours à peu près au même endroit que la précédente, c'est-à-dire dans l'espèce de zone de glace, je sais plus comment ça s'appelle. この先の道は長いですよ。そこの宿屋で休んでいきましょうよ。いや、まだ疲れてないから大丈夫ですよ。今日中にここを越えたいし。面倒な。急に力が。おっと、思わず席を奪ってしまった。まあ、若者はこのぐらい血の気を抜いといた方がいいっすよね。 Je crois qu'il faudrait songer à... Voilà, songer à changer de... Faut changer le département publicité parce qu'il y a un problème. はい、では気をつけて行ってきてくださいね。 C'est moi le train de force dans l'opère. あの、例の場所って何のことです? ああ、この先にまた厄介なミラージュが現れたそうだな。 J'ai un peu peur parce que j'ai l'impression que Love Final Fantasy est bien plus beau que le prochain jeu Pokémon. お前も付き合え。昔の私みたいに神器臭い。 Mais si c'est une princesse zombie. Un truc que je comprends pas, c'est une princesse zombie, mais y a pas de zombies dans cette zone donc. Tu sais, la princesse gobeline, y a des gobelins. Ressentiment, what? C'est quoi? Ils vont nous balancer. Comment elle s'appelle déjà? C'est Yamaba ou l'ennemi, l'opposé de. Enfin, l'opposé, pas vraiment, vraiment l'opposé. Mais disons une autre entité de glace et de froid féminin. Plus liche. Ah, d'accord. Et je suppose. Ah, il maîtrise la foudre! Mais ils aiment pas le feu. Ah, ils ont de la vie, hein. Alors, ils aiment pas le vent, ils aiment pas le feu et ils aiment pas la lumière. J'ai que deux des trois. Le aléatoire, il est quand même bien précis, hein. Ah là là, bon allez. Quand même très 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 précis votre aléatoire. Maintenant qu'elle résiste. Ah non, elle résiste pas par contre. Ok, on va aller. Voilà, ça c'est fait. Bon. Pas chanceuse. Ouais.
C'est dommage que ça donne pas d'XP par contre. Enfin, je crois pas que ça donne, hein. Je suis très sûr. Mais je crois que ça donne pas. Parce que je me souviens. En sachant. Ah si, ça donne de l'XP, autant pour moi. Autant pour moi. C'est une extra. Bon. Ça va, ça rend, je rentabilise bien le truc. Hein. Une seule queue de phénix utilisée, deux de récupérer en tout. Enfin, vu que j'en ai perdu une et que j'en récupère trois. C'est méchant quand même. Et tu peux arrêter d'être méchant. Bah oui.私いらないコスか。うん。まあ、こき使っていればそのうち成仏するだろう。いやいやいやいや、私はまだこの世であの生きていこうかと思ってるんですよね。帰ってさっきの曲を接待するぞ。あ、はい。あの、私ゲート変わるし、結構役立ちますよ。お、例えばどんな。例えば陶芸とか。うめ、どけせ。よく見てて。 Mais elle maîtrise la glace, je sais pas, t'as une... Tu veux pas faire de la sculpture sur glace? Je sais pas, un truc... N'importe. Pourrait passer, il y a plein d'idées possibles, plein d'options envisageables. Sculpture sur glace, je sais pas... Te débarrasser des monstres errants aussi. Enfin bon, Pix, non, on va voir ce que je peux avoir. Alors, une évolution, mais c'est pas spécifié à quelle. Enfin, c'est pas spécifié ce qu'il faut pour l'obtenir, donc. C'est pareil au même pour moi. Que dalle. Quoi? J'ai pas compris le duo de. Bon, c'est pas. Il évolue, quel niveau déjà lui? C'est 20 quelque chose, non? 28, putain, c'est loin. C'est pas tout de suite, hein. Clairement. Ah, j'aimerais bien l'avoir, ce dégât magique de lumière, ça peut être génial. C'est bien utilisé, ça peut avoir de l'effet. J'ai rencontré beaucoup d'adversaires qui avaient une faiblesse de lumière. Par contre, en termes de niveau, 21. Il manque 9 niveaux, c'est pas tout de suite. Sur mon rapport avec le film, pour le nom, il est appelé comme ça à cause de ça. Bah, lui, pour l'instant. On va le mettre là. Il aura une évolution là, mais je sais pas laquelle. Et apparemment, il faut 4 points. Putain de merde. Ça veut dire 4 niveaux de plus. Waouh. Après, on est qu'au début du jeu, techniquement. Parce que en tout, il y a quoi? Il y a 3 généraux. Et en tout, on en a affronté à peine un. Même pas d'ailleurs. On l'a pas encore affronté. L'espèce de machin qui ressemble à un Pokémon dans. Je crois que c'est noir et blanc. Ça ressemble à... Il y a un Pokémon qui ressemble un peu à ça, une sorte de sarcophage, inspiré de la mythologie du mythe de Toutankhamon d'ailleurs. Attends, on peut acheter aussi. Non. On peut. Bon. Origine. Ah oui, mais non, non, parce que c'est 5 étoiles. Donc non, on va continuer l'aventure. Désolé, mais bon, 5 étoiles, déjà je galère sur les 1 étoile pour l'instant, 5 étoiles. C'est mort.
bateau pirate, le pont. D'ailleurs, ils ont parlé il n'y a pas longtemps, apparemment, de Horizon. Je crois que c'est Forbidden qui s'appelle celui-là. Parce que. Horizon Zero Dawn Forbidden. Peut-être qu'ils ont gardé le nom complet de base. Je crois que c'est le nom complet de base en plus. Horizon Zero Dawn, c'est le nom de base, je crois. Parce que pour l'extension, il y avait aussi le sous-titre Frost quelque chose. Je sais pas. Mais apparemment, ce qui est assez rassurant comparé à Cyberpunk, qui, quoi qu'on en dise, c'est un échec absolu pour l'instant sur le plan des consoles. Enfin, un échec absolu. À moins un demi-échec, c'est-à-dire que techniquement, sur les 5 supports, t'en as 2 où c'est pas faisable. Alors, j'ai pas fait l'erreur de l'acheter sur PS4. J'ai un ami qui l'a pris. Alors, lui, il me l'a ramené. On l'a testé sur la PS4, on l'a testé sur la PS4 Slim, on l'a testé sur la PS4 Pro. Parce que du coup, on a eu 3 grâce à lui. Non, moi j'ai. Ah oui, j'ai le celle d'origine aussi, mais moi, celle d'origine, je sais plus. De ce qu'on a pu tester sur nos 3 PS4. La PS4, lui, il a testé sur la PS4 simple. C'est pas faisable. Étrangement, sur la Slim, parce que je crois que c'est la Slim, celle-là. Ils ont sorti tellement de modèles que j'arrive pas à savoir. Ça tournait relativement bien. Sur la Pro, il y avait un ou deux problèmes majeurs. Je me souviens plus c'était lequel. Mais en tout cas, sur la Slim, comme quoi, en fait, ça dépend vraiment de la console que vous avez, mais pas dans le sens du modèle. Ça dépend vraiment de la console, parce que sur la Pro qu'on a, c'était galère. C'était pas l'enfer. Faut pas déconner, c'est pas l'enfer. Et malheureusement, j'ai que la Xbox One classique. J'ai pas les celles qu'il y avait après. Et sur Xbox One, je ne l'ai pas pris. J'ai pas pris de jeu sur Xbox One depuis très longtemps, parce que la Xbox One est. Il me faut juste pour 2-3 exclus après pour moi disparu dans l'oubli, le néant. C'est. Voilà. Ça passe à grand chose. Ouais, non. Je peux pas vous dire sur Xbox si. Je vais pas l'acheter pour ensuite tester un fiasco. J'ai pas que ça à foutre aussi. Essayez de pas mourir. C'est très bizarre parce que autant la 360 je l'ai beaucoup utilisé, autant la One. Gears of War, Halo, et je crois qu'il y avait un autre jeu mais qui après est sorti sur la Switch, donc du coup je l'ai repris sur Switch après et j'ai abandonné la One. Ouais. Ouais, si on veut. Cette fille me dit rien là. Bon. Ouais, les persos de FF, ça me dit rien du tout. Hein. Je sais pas. Je suis même pas. Je les ai pas tous fait parce que j'ai. Il y en a un que j'ai. Deux, voire trois que j'ai pas fait, mais je sais plus. J'aime bien si tout le monde se fout de leur gueule. Si vous crevez, par contre, c'est pas ma faute. De quoi? Ça sert à quoi de les contrôler? Ouais, je suis bah c'est ça qui est chiant justement, c'est le vote des régions.
ファリスさんもキスティスさんもあんなこと言ったんだろう。あんなことって？そういえば二人とも死ぬとか死んでもとか言ってたのですだよね。なんで？そう、下界って名前の海だから、きっと地図の下の方、つまり南の海ってことだとは思うんだけど。Dans théorie, mais dans l'univers de fantasy, donc ça veut tout et rien. Ça pourrait dire ça, ça pourrait vouloir dire ça comme autre chose. Comme autre chose. ところでさ、姉ちゃん。なんか顔の音が、なんかおかしくない？そうかな。姉ちゃん。なんか、なんかすごく嫌な予感がするんだ。私もだよ。はてなはてな、なのです。Bon, d'accord que si le vaisseau explose, c'est pas notre faute. Oh, cinématique animée. Enfin. Ah, d'accord. J'aime bien l'animation. Franchement, ça m'arrive pas un animé. Si on a eu des animés de tout et n'importe quoi, mais franchement, World of Final Fantasy, ça pourrait être sympa en animé. Et puis c'est bien fait quand même, hein. Les devs ils ont bien. Le département d'animation a bien bossé. Ah oui, d'accord, en fait, c'est... oui, je me disais bien sur la map aussi, c'est des plateformes. Donc ouais. Et le bateau il est mort. C'est. Voilà. Mais l'autre elle se noie pas. Il y en a un qui nage paisiblement, enfin qui flotte. Je suis là, t'es là. Comment ça, vivante? C'est une fille? C'est très joli cette succession d'arc-en-ciel. C'est une fille en garçon? Non, c'est un garçon, Tama. Il fait masculin, il fait petit garçon. Et le bateau, on s'en bat les couilles. Il est mort? C'est. Mais vous êtes sérieux? C'est. Genre, c'est terminé là? Le bateau il est explosé? Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, d'accord, j'ai compris vers où on va. Ils vont nous faire rencontrer peut-être, c'est la grande tortue emblématique de Final Fantasy. Dans le 15, elle est gigantesque, c'est un monstre. Dans FF14, c'est juste un mob un peu gros que t'as sur une des premières maps de la zone de Gridan. Ça va le faire. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Couleuvre de mer. C'est une attaque d'eau. Ça devrait aller. Non mais ça marchera pas. Soyez réaliste. Ah ouais, il n'y a qu'une seule faiblesse, vraiment. Ça c'est fait. Ça c'est bon, et en plus j'ai récupéré l'autre. J'aime bien le petit Ramu. Il est vraiment, il était plutôt joli quand il était jeune. Il était plutôt beau gosse. Niveau 14, niveau 12, niveau 13, niveau 15, ça au moins ça rapporte un max d'XP. Et un éther, et du cash. C'est, voilà, ça c'est bien ça. C'est bien l'argent. Un mirade aquatique au corps serpentin spécialisé dans les attaques d'eau. Raconte qu'il a réussi à marcher sur terre. Au prix de beaucoup d'efforts et de persévérance. C'est quoi? C'est du coup c'est l'évolution, c'est. Une couleuvre de mer. J'ai aucun nom qui me vient en tête comme ça, une couleuvre. Parce qu'une couleuvre, c'est un serpent, mais vous êtes marrant. Je vais pas l'appeler en Mongand, quoique j'aurais pu. Ah, j'aurais pu.
c'est vrai. J'aurais pu l'appeler comme ça. Après, ah gros, c'est un serpent de couleur. Je pourrais l'appeler Ouroboros. Ouais, mais bon. Je sais pas. J'ai pas de là comme ça. J'ai pas d'idées qui me viennent. Vas-y, va pour ça. Il a tellement pas l'air rassurant quand tu vois sa tronche quand même. Tu sais, il y a un truc, hein. Pas l'air très rassurant quand même. Je vais pas dire, mais bon. Je garde Kurokami parce que j'ai besoin toujours d'avoir un truc de feu sur moi. Pourquoi tu dégages? Prends Ouroboros, c'est très bien comme ça. C'est lui, c'est Ar quelque chose, j'arrive bien à dire son nom. Voilà, Adamant Kellum. C'est un vieux sage, d'accord. 何をしておるのだ?ならそのバブいるという場所までわしの背を貸してやろう。マジで?いいんですか?ああ、いいだろう。しばらくの間その高速艇とやらの代わりになってやるとしよう。 On va peut-être un peu visiter quand même. Ah, y a rien. Ah, en fait, y a rien à visiter. C'est bon à savoir. J'aurais pas perdu mon temps. Est-ce qu'on a des trucs intéressants? Raijin, il a pris 3 points. Bonus de magie extra foudre. Récup mono cible. Oui, donc t'as la sous évolution Zappy, ok. Alors les autres évolutions, j'ai aucune idée, c'est pas marqué. C'est pas spécifié. On peut même pas savoir. Lui il a tout ce qu'il faut normalement. Barrière, c'est pas. Ça m'a pas l'air ouf. C'est pas mal, j'aurais dû prendre escort, c'est pas mal. Dommage. J'ai complètement zappé. C'est pas ultra important en même temps, escorte. C'est pas le truc absolument à avoir. Dishonored, c'est un. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. C'est un requin de la mythologie japonaise. C'est un peu leur mégalodon, mais très mythologique. Métamorphose au niveau 20. Prisme de mini-lodon. Je suppose du coup qu'il évolue en mégalodon, sinon ça n'a pas de sens. Bon, on va prendre ça.
On va se contenter de ça. Il peut être utilisé. Ouais, en emplacement libre. J'ai pas de noix vraiment à lui donner, donc. Rien. Sinon, le reste. Non, non, c'est bon. Le reste, ça va. J'ai pas de trucs spécifiques qui me viennent là comme ça. Alors. Le mégalodon, la main, sont très puissants. Ah, donc oui, il y a des mégalodons quand même. Alors, il est sans doute possible de les vaincre. Ils sont impossible de mieux vaut les éviter, éviter les affrontements. Seront plus forts. Ok. Dore, shuppatsu ja. Washi wa riku no koto wa shiranu yue. Babu iru toyu basho mo wakaranu. Susumu hoko wa jibun tachi de kimeru ga. Mais on sait pas c'est où non plus. J'aime bien la forme. Attends qu'il passe, très lent. Là. On appelle ça des mégalodons. T'es con comme un balai? Je me demande si c'est un inspiré du Agufar. Ah, je crois que c'est FF10. Rien à voir avec le Riku de Kingdom Hearts. Hein. Le Riku de Kingdom Hearts, c'est une autre symbolique. Rien à voir. Sora, Riku et Kairi, en fait, c'est en rapport avec. C'est juste. Je clarifie parce que je me suis dit, non, ça vient pas de là. Il y a toujours cette espèce de sainte trinité, en fait, ciel, terre, mer. Du coup, de ce côté-là, en fait, Axel, Riku et Terra, c'est lié à la terre. Sora, Roxas et Ventus, c'est au ciel. Et Kairi, Shion et Aqua à la mer. Sa queue, c'est une griffe à elle seule. C'est fou. Tu t'arraches des têtes avec ça. Sa tête. Ikuto suru ka. Shuppatsu. Yoroshiku ne. Go, go, nano desu. Y'a pas de monstre qui nous attaque, ça m'étonne. Koko wa dochi ni susumu nja? Ja. On a pas de monstre aquatique qui nous attaque. En même temps, je vois pas un mégalodon attaquer ça. Mais c'est peut-être inspiré vraiment du hack buffard. L'adamant, cléton. Là. C'est quand même assez. Enfin, c'est aussi joli, je trouve le jeu assez joli. Ça. Un continent, voilà ce qui se passe. Côte arc-en-ciel, hein. Dai Jumaku. Ah, terre de feu, c'est ça? C'est joli comme ça. Yop. Merci.
休ませてもらってありがとね。リュックはこれからどうするの？ねえ、ちょっと行きたいとこがあるんだけど、あと少し背中に乗ってていいかな？ああ、もののついでじゃ。よかろうて。あんがと。ということで、このままちょこっともともとの目的地まで行ってくる。わかった。気をつけてね。それじゃ。アダマンタイマーイ。いつか手に入れて呼び出すからな。さてと。で、どうすんの？とりあえず、町を探しますか。この先もミラージュの気配はプンプンなので、十分気をつけるのです。Comment te dire que les mirages, on s'en coltine depuis... En fait, c'est vraiment pour le côté rejouabilité, enfin, l'aspect re-exploration, hein, ce truc des mirages dangereux et tout. C'est vraiment juste ça. Parce que sinon, je vois pas le... Parce que à chaque fois que t'arrives, t'es à un niveau beaucoup trop bas pour ça. T'es obligé de te recoltiner, à l'aller-retour. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. À mon avis, c'est juste ça, sinon je vois pas l'utilité. Potion, queue de phoenix, nigum, stabilisant, élixir, super potion 9. Non, ça va, j'ai ce qu'il faut au niveau soin. On peut y aller. Par contre, y a pas de mirage, hein. Je sais pas de quoi il parle, l'autre. Et heureusement que j'ai capturé l'autre, parce que la couleuvre... Enfin, Ouroboros là, parce que sinon on est dans la merde. Il n'y a pas d'autre aquatique en fait. Donc je suis obligé de faire un aller-retour. Gorge du dragon, très bien. Ok. Bon, on continue. Ça devrait aller. Ça va, tu veux tomber sur quoi ? Il n'y a aucun moyen de tomber. Tu vas pas faire une chute. On est déjà au sol. Ah d'accord, c'est ça l'eau de transformation du machin. Faiblesse de... Mais je comprends pas la faiblesse de foudre, c'est de la pierre. Ni c'est... Bon. Pourquoi je vais pas en plaindre, hein. Ok d'accord, il suffit juste que je dégomme la pirate d'ennemis à la con là. Ah merde, c'est pas ce que je voulais. C'est pas grave, au moins il est affaibli. Fait. Voilà, ça c'est fait. Un œil ailé. Il a pensé qu'il a un œil de mouton. Peut-être a-t-il rougi à force de se frotter l'œil. Dans ce cas, il aurait besoin de collier, mais ça lui coûterait l'œil de la tête. Ah, le mec des trad, il s'est donné. Il s'est mis. Vraiment. Il a tout donné. Hein. C'est. Il était à fond. Qu'il aime pas l'eau. Ouais, qu'il aime pas la lumière, je comprends en fait. La faiblesse de lumière, je comprends. J'ai pas d'idée. Non, c'est le gardien de l'actuel. J'ai aucune idée de comment l'appeler. L'autre, je l'avais appelé, je crois, Kazao Bake, ça a rapport avec un ombrelle parapluie. Avec un œil et une langue dans la mythologie japonaise, mais là, j'ai pas d'idée. Rien qui vient. C'est assez joli comme décor. J'ai jamais vu un décor rocheux comme ça. Où t'as l'impression qu'en fait, toutes les pierres sont des crocs ou des griffes.
Ah ouais, d'accord, ok. Donc on part sur ça alors. Ça va être le fameux délire du... faut tomber à certains endroits spécifiques. Passeur. À des endroits spécifiques pour récupérer certains objets, donc forcer l'aller-retour. Il aime pas la foule, non. Mais il aime pas l'eau, c'est pas la même. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. What? Il aime juste pas l'eau et la lumière, d'accord. Gorge du dragon, moi je m'attendais plus à tomber sur des dragons en soi. Pas terrible pour l'instant, les gorges du dragon. Yuki peut avoir la compétence de lumière. Et ça, ça m'intéresse. Que du coup je peux échanger sur la pyramide avec Pixie. Bah, quoi que j'ai besoin du vent aussi. Merde. C'est pas grave, je verrai après. Mon boss il évolue comment lui? Bon, eau, ça semble évident que c'est sa première compétence, oui. Miralite d'eau, c'est sympa ça. Niveau 32. Bah écoutez, on va essayer de choper le... Merde, ça vient vite, j'ai pas encore assez. Mais j'aurai bientôt assez, du coup j'aurai eau, donc je pourrais me passer de l'isonade. Oui mais en fait, c'est pas l'isonade que je veux dégager moi. Je vais pouvoir mettre Yuki. Mais sinon, virer Tama, parce que le feu ne servira pas à grand chose, et mettre Yuki à la place. Et les autres ils ont rien. Eitri il a pas encore le point qu'il faut pour débloquer le... Non il a pas. Isonade il a quoi? Ah, lui c'est que la métamorphose qui manque. Comment il évolue. Tout ce que je sais, c'est que ça coûte un point. Voilà, c'est bon, c'est fait. Un emplacement. エレマンパリマン。すごいかもだけど、違いすぎる。てか、よく属石鹸くらい聞いたことあるよ。ないわよ。てか話が進まんわ。 OK, ouais non, le machin là-bas. Pas encore suicidaire. Trois superstations, ouais. Ça me rappelle que ma vie est pas ouf. Il
Déjà, il est plus mignon que le rouge, celui-là. Deux que tu fais. C'est juste pour ça ? Ah, mais du coup, je suis obligé d'aller quand même de l'autre côté. Ça ne change rien de ce côté-là. Ah, l'occasion de tester bannissement, tiens. Pas mal. C'est pas ouf ouf, mais pas mal. Pas mal, pas mal. Enfin! Alléluia. Pourquoi j'ai besoin de 4 points? J'en ai pas besoin de 4. Je suis complètement loupé, moi. Eitri, il avait ce qu'il fallait. Je sais pas pourquoi. J'avais ça en tête. Oh bon, ça me fout la miralite d'eau. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste rien. Yuki, elle a eu son point. Les autres, non, c'est bon. Donc, Mirali. On va lui mettre celle d'eau. Et elle, on va lui mettre celle de précision. Voilà. Bon, bah, va falloir y aller. Hein. On n'a pas le choix. À un moment donné, il va falloir y aller. De toute manière, si j'avais pris le chemin là-bas, c'est bloqué. Ouais, mais il y a une part de moi qui a quand même envie d'essayer, mine de rien. Je vais voir, est-ce que j'ai une chance? Oh! Ça, c'est bien. Voyons voir un peu le petit bonhomme. Il aime pas la foudre, il aime pas le vent. Bah écoutez, je suis d'avis. Il lui inflige une altération d'état. Ok, d'accord. Normalement, ça devrait marcher le... Ça les a un peu affaiblis, c'est déjà ça. Et comment ça résiste à l'eau? Je sais pas comment dire. Thank you.
résiste à la foudre, il résiste pas au vent. Ok, d'accord. On va essayer haut alors, pour la sécurité. Et en termes d'objets... Enfin! Merde. On va la voir sur l'usure. Enfin! Il est très beau! Très très beau comme dragon. Bien sûr. Ouais, quand même, on a passé les niveaux. Alors, un dragon dont le corps est caché par un... Si j'ai eu la flemme de décider les pas, tu crois. Par un nuage orageux qui utilise des compétences d'éléments faux. Ne rêvez-vous pas de monter sur son dos, mais encore faut-il savoir comment dresser votre dragon. Est-ce que... Comment je pourrais le nommer? Ah oui, il y avait des dragons dans God of War qui maîtrisaient tous la foudre. Bon, il y a Fafnir, évidemment, c'est le premier qui vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. Je pourrais l'appeler Nidog. Quoique... c'est un peu... Ah, comment... Ouais, mais Nidog... Le problème de Nidog, c'est qu'il... Tu sais, ce petit... Il est mignon, ce dragon, tu sais. Nidog, c'est plutôt un dragon féroce et sanguin... Enfin... Je sais pas, c'est un peu... est-ce que je pourrais pas... Alors, je me souviens plus si... Je me souviens plus si parce que dans la mythologie grecque, ah, Fafnir est un nain changé en dragon. Mais on affronte d'autres dragons normalement en fait dans la. Si on parle du principe que Fafnir peut changer en dragon, est-ce qu'on peut considérer que les autres le peuvent aussi? Parce que du coup il y a Régine et l'autre, mais bon, ouais, on va l'appeler comme ça, peut-être Régine. Ça pourrait être pas mal. Parce que Nidog, ça fait très, très sanguinaire, et ça, c'est pas grave. Ouais, je préfère, franchement, je préfère littéralement l'appeler comme ça au moins. Il y a un accent. Après, les accents dans les... non. Est-ce qu'il y a un accent? J'ai un doute. Déjà, j'ai un doute s'il y a un accent sur le coucou. Parce que Fafnir, il y a un accent, mais... Dans le doute... Ouais, pour marquer le côté Ré, ouais, on va mettre un accent, mais je suis pas sûr. Je crois pas. Après, tous les... Alors, un truc qu'il faut savoir... Oui, c'est le frère de Hotre et Fafnir, mais... et d'ailleurs, si je me demande s'il y a un accent, c'est parce que dans Autre et Fafnir, il y a un accent. Il y a un accent sur le O et sur le A. Donc, je suppose, je suis même pas sûr si je me dis hypothétiquement, je sais pas. Mais c'est un truc que God of War a abordé. C'est le truc, en fait, les trois frères sont des dragons, mais... En réalité, dans la mythologie nordique, c'est pas des dragons. Enfin, c'est pas des dragons. Il n'y a que Fafnir en fait, mais Fafnir c'est une... Je crois qu'il s'est gouré dans un sort où il a été maudit ou un truc comme ça. Du coup il est obligé de rester sous forme de dragon. Mais c'est pas tous des...
C'est pas tous des. C'est pas tous des dragons. Enfin, ils se changent pas tous en dragons. Qu'est-ce que je pourrais virer? El famoso débat. Bah écoute, Kurogami, j'ai aucune idée quand il évolue, donc autant. Ah, mais non, j'ai besoin du feu. Ah là là. Et encore, nous on a de la place. Hein. Parce que dans Pokémon, là nous on a 12 emplacements en tout. Techniquement 10 si on compte pas nos deux persos. Mais dans Pokémon c'est 6. Quoique non, dans le dernier. Dans Pokémon Evolution, on pouvait avoir. Directement les prendre. Je sais pas, on va virer. La glace en fait, Nosferatu est déjà là. Après il a attribué Ténem, mais je crois pas que ça me serait utile. Du coup on va virer l'encou, on va le mettre lui. On a zéro chance, je vois pas comment ça pourrait marcher. Mais bon. Autant essayer. Et puis j'ai des queues de phénix et tout le reste. On va essayer, on va voir. En plus ils sont deux. Moi je me disais ils sont un, il y en a qu'un, mais non ils sont deux. Parce que pourquoi pas. Il a l'air de faire beaucoup de dégâts. Mais non, non, lui a signé un coup critique. Ils aiment ni la glace ni l'eau. C'est parfait. C'est parfait. Ah, ils aiment pas l'eau. L'autre, il va m'être utile. Bon, là, pour l'instant, on invoque le guerrier de la lumière, mais l'autre, il serait utile. Cette musique, elle est géniale. Je crois que c'est la meilleure du jeu. Ce jeu au violon. Allez. C'est la tête un peu fort, hein, bombardement napalm mais tout le reste. Mais ces deux grands dragons, en vrai, tu ne estimes pas ça. La mise en scène est toujours classe. Parce que surf. Astre flamboyant. C'est ridiculement puissant quand même. Oh bah j'ai des dégâts, c'est pas prévu. C'était pas prévu hein, mais c'est pas grave hein, on prend. On prend. C'était pas prévu. Ah finalement vos dragons là. À la mort. En même temps, quand tu bombardes. Je sais pas à quoi il sert d'ailleurs, je sais pas à quoi ça servit de faire apparaître l'aéronef. Ah, il évolue en ça. Oh non. Oh non, 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 les devs. Oh non. Moi, je m'étais dit qu'en gros, il y avait un dragon de foudre qui évolue en grand dragon de foudre et un dragon de feu qui évolue en grand dragon de feu. Oh non, j'ai pas envie de le faire évoluer, ça donne pas envie. Non, 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 ça donne pas envie, putain. Non, là, c'est. Non, non. J'ai pas le droit, c'est criminel. C'est un crime. Après, moi, j'ai 3 points, donc... C'est un crime, ça. Hein. Désolé. D'extra feu, c'est quand même bien à voir, mais bon, ça reste un crime pour moi. En dragon orageux... Et il y a une autre... Il y a un autre dragon, du coup.
donc ça me redonne un peu espoir. Il n'y a plus rien, hein. Je crois. Espéras-tu d'en aller au bout? Ah, un niveau et c'est bon. On va enfin voir son évolution. Faut juste qu'il prenne un niveau. Ça devrait être facile. Sur le retour, on va choper un monstre en cours de route. Vous allez voir. C'est dommage que le dragon, il ait pas la capacité de voler. Le dragon de foudre en train de nous porter. Ou plutôt de nous tracter parce que il ne porte pas. Mais du coup, j'ai pas trop à m'inquiéter. Les dragons sont visiblement pas très puissants ici. J'ai oublié, c'est quoi le souvesse? Foudre et vent, oui, d'accord. Ah, ils peuvent transmettre le bouclier, ça c'est pas mal par contre comme compétence. Et ils se transmettent mutuellement, pas mal. C'est quoi la faiblesse de l'autre? Bon, attendez, on va déjà massacrer machin. Ah, il aime pas ça, bon, magnifique. Ça c'est fait. 3. Qu'est-ce qu'il y a? C'est 21 elle par contre. Alors là 21 c'est pas tout de suite, hein. Niveau 15, manque 6 niveaux. Un bonus. Un point faible. C'est pas mal ça. Elle a de bonnes compétences quand même. Il est mignon le petit dragon de foudre. C'est un peu dommage l'évolution. Bah 15 ou plus c'est bon là. Là normalement après je peux le faire évoluer lui. Non c'est bon pour le reste. Ça me semble bon. Juste prendre une potion.